Allez, de retour à Villeneuve-sur-Lot au parc des expositions pour la demi-finale dans quelques minutes, une des demi-finales entre Yannick Bofis, numéro 1 français, et Paul Coldric, numéro 6. Mais en attendant de regarder cette partie en compagnie de Loïc et d'Alexandre, on est avec Christian Allard, le président du club du billard du Valais du Lot, organisateur ici de ce beau week-end. Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Ben, ça se déroule très bien pour l'instant. Les gens sont relativement satisfaits. Nos bénévoles sont ravis de voir autant de gens sur la compétition. Ce n'est pas un nouveau club, mais c'est un club qui a été délocalisé à Villeneuve-sur-Lot, qui était à Lafitte-sur-Lot. Comment on organise quand même un tournoi national, le numéro 6, avec la Fédération française de billard? C'est quand même une grosse organisation avec beaucoup de joueurs qui viennent, de joueuses hein, qui viennent à Villeneuve. Oui, bien sûr, c'est une très 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 grosse organisation qui ne pourrait pas se faire sans les partenaires que nous avons, sans les bénévoles, parce que sans eux aujourd'hui il n'y aurait pas tout ça, parce que c'est quand même une très très grosse semaine de travail en préparation et surtout un très 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 gros week-end pour satisfaire l'intégralité des gens qui viennent nous rencontrer. Bon, donc satisfait, on a réussi à avoir un petit peu de jeu quand même, hein, Christian, on a réussi à avoir quelques matchs, quelques parties? Non, malheureusement, j'ai vraiment pas eu le temps de me poser 5 minutes afin de pouvoir regarder une partie ou quoi que ce soit. Yannick Bofis, Paul Coldric, première demi-finale des Masters pour ce numéro 6, un petit pronostic? Mais moi, mon pronostic, je suis un peu partagé, j'aime beaucoup Paul, Bofis est un très très grand joueur et je pense que la balance est du côté de Yannick. Allez, on va lâcher le président avec les bénévoles parce qu'il y a pas mal de travail encore à faire derrière et puis très vite et merci beaucoup hein, pour l'organisation. Merci Patrice. Allez, on retrouve Alexandre et Loïc, bien sûr, pour cette première demi-finale des Masters entre Yannick Bofis et Paul Coldric. Merci Patrice Couturier. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Villeneuve-sur-Lot pour le 6e tournoi national de billard Black Ball. Et à suivre donc une demi-finale du Black Ball Master que j'aurai le plaisir de commenter avec Loïc Padovani. Salut Loïc. Salut Alexandre, bonjour à toutes, bonjour à tous. Rebonjour même à celles et ceux qui nous ont suivis depuis le début de la journée. Un énorme programme hein, qui nous attend encore avec cette fois-ci les demi-finales, la première demi-finale de ce Master de Black Ball avec du coup l'affiche entre Yannick Bofis et Paul Coldric qui va nous attendre dans quelques minutes. Voilà, le numéro 1 contre le numéro 6 au classement actuel. Yannick Bofis qui fait partie du club de Viroflay et Paul Coldric qui est l'Agenais. Donc pour cette demi-finale, le Billard Club d'Agen qui est représenté. On en profite pour rappeler le parcours des deux joueurs. En commençant par Yannick Bofis qui s'est défait de Nordin Mokhtar Mehach. Il a ensuite réussi à remporter son 8e face à Sébastien Mus. Puis ensuite face à Alexandre Buchetti sur le score de 7-1. Et voilà, il s'affronte désormais au franco-anglais Paul Coldric. De son côté, Paul Coldric qui s'est défait de Frédéric Moore au premier tour en 16e de finale. Plutôt facilement avant d'enchaîner très rapidement face à Jonathan Lefebvre, cette manche à 4. Et enfin, ce quart de finale très très disputé face à Pierre-Damien Coz, 7-5, qui l'a remporté il y a seulement quelques minutes. Hein. Il a vraiment enchaîné Paul Coldric dans ce tournoi. Et il va devoir continuer à proposer son meilleur billard, même s'il n'est pas forcément dans des meilleures conditions. On en reparlera tout au long de cette rencontre. Ouais, on le voyait juste avant le match prendre un peu de sucre, justement, essayer de se redynamiser, parce qu'il a eu un match très éprouvant en quart de finale. Et là, d'enchaîner, on espère que ça ne va pas lui porter trop préjudice. Et les deux joueurs qui vont se rapprocher de la table pour le tirage à la bande pour déterminer qui va casser en premier. C'est parti, c'est Paul Coldric qui est le plus adroit sur ce tirage. Et qui va casser en premier alors que sur la table numéro 3, hein, tout à l'heure, il y a même juste quelques instants, c'était pendant l'interview de Patrice Couturier avec le président du club de Villeneuve-sur-Lot. On a vu hein, le dernier quart de finale qui s'est terminé avec la victoire de Maxence Prévost sur Momo Humide et qui va rejoindre en demi-finale Alexis Klinka, un des grands favoris hein, de cette compétition. Ouais, Alexis qui a déjà remporté un tournoi national cette saison. Et c'est un jeune qui est vraiment plein d'espoir, la relève du billard Black Ball. L'arbitre de la rencontre qui place le rack, monsieur Christophe Bosco. Vous en avez l'habitude, hein. Maintenant si vous nous suivez depuis le début de cette journée, c'est lui qui commente, c'est lui qui arbitre, pardon, plutôt, cette table numéro 1 et qui replace avec ce triangle plutôt pas très ordinaire. Qu'on n'avait plus l'habitude de voir. C'est également l'innovation du week-end. C'est un triangle qui permet justement à Christophe
coller toutes les billes vraiment de manière optimale et tout simplement de le placer vers le haut. Comme ça, là, on est sûr que toutes les billes sont collées. Et c'est très important à la casse. Et on parle d'innovation aussi, hein, le casque qui lui permet d'être en contact régulier avec la table de marque pour vous proposer toujours plus de contenu nouveau. Alors que Paul Koldrick tape à la casse, plutôt côté gauche, Paul Koldrick. Ouais, très belle casse, il empoche, donc il va pouvoir avoir 1 minute 30 pour réfléchir à quel plan de jeu adopter. Paul Koldrick qui a empoché une rouge. Donc probablement il va essayer d'empocher une rouge. Alors après, est-ce que le schéma de jeu dans lequel il pourrait s'embarquer serait idéal pour lui? Il réfléchit à toutes les éventualités. C'est pour ça qu'on a 1 minute 30 pour ce premier coup après la casse. Et après on passe à 45 secondes pour chaque coup. Sous le regard de Yannick Bofis. Très concentré. Ouais, Yannick Bofis qui nous a confié qu'il était très apaisé ce week-end. Il faut dire qu'il revient de vacances assez spéciales de Thaïlande où il a pu demander en fiançailles sa compagne. Donc forcément, ça fait du bien à la tête. Et on sait qu'au billard, c'est très important d'être bien dans la tête. Toutes nos félicitations d'ailleurs. Félicitations à Yannick. Et à sa compagne. Sa compagne qui fait partie de l'équipe de France de billard Black Ball en plus. Une belle famille. Exactement. Une famille de billard. Allez, Paul Koldrick qui va s'attaquer à la rouge en haut de votre table. C'est parfait. Il va prendre les rouges. Paul Koldrick. Un presque local, hein, ici. Puisque on n'est pas très loin de Villeneuve-sur-Lot. Vous le voyez, hein, sur votre timer en bas de votre écran. 1h48, c'est le temps effectif. Le temps qui est alloué aux deux joueurs pour l'ensemble de la partie. Et à droite, c'était le timer qui lui restait à jouer dans ses 45 secondes. Paul Koldrick qui semble un peu dubitatif. Hein. On le voit un peu dodeliné de la tête. Pas très convaincu de son replacement sur cette rouge. Ah, il est assez expressif comme joueur, notamment quand ça va pas. Il a demandé l'extension là parce qu'il a besoin de se concentrer sur ce coup. Ah, il est un peu coincé. Hein. Il y a très peu de possibilités. Les angles sont relativement difficiles. L'extension, pour ceux qui ne le savent pas, c'est rajouter 45 secondes à son chrono. On peut le demander une fois par manche. Et Paul Koldrick qui l'a utilisé à bon escient puisqu'il avait dépassé son timer de 45 secondes. Qui va pouvoir enchaîner avec cette rouge en bas de table. Ça passe. Il se replace. Ah, il est encore chaud, hein, Paul Koldrick. Il vient d'enchaîner son quart de finale. Terminé il y a même pas un quart d'heure. Donc, à peine eu le temps de se rafraîchir un peu l'air. De prendre un peu l'air plutôt. Se rafraîchir les idées. Est-ce qu'elle recule assez cette blanche pour négocier cette rouge en haute table? L'angle paraît jouable. Alors est-ce que. Non, il est pas sûr de son coup. Ouais, quoi qu'il arrive, il a cette rouge qui peut passer en poche centrale normalement. Ouais, c'est ce qu'il va utiliser. Par contre, le problème, ça va être après pour la replace qui est loin d'être évidente. Elle n'a pas assez roulé cette blanche. Il ne voit pas sa rouge à jouer. Alors, elle n'est pas totale, il me semble pas. Il évalue en tout cas la distance entre la blanche et la rouge. Ah, il semble que l'arbitre ait dit qu'elle était totale. Donc ce qui ne l'oblige pas à faire une bande après contact. Une des règles typiques, hein, du black ball français. Le black ball tout court. Toucher la bande après le contact entre sa bille blanche et sa bille de couleur. Trop souvent négligé dans les bars, dans les parties un peu amicales. Cette règle si importante pourtant. En tout cas, Paul Koldrick l'a réussi, mais il n'a pas réussi à empocher derrière cette bille rouge et va laisser la place à Yannick Bofis qui s'attelle à la table pour la première fois de cette partie et pour pourquoi pas déjà empocher cette première manche, hein. On voit des billes très éclatées chez les jaunes, des véritables opportunités pour lui pour se replacer bien comme il faut avec ses deux premières billes en haut de table à négocier.
Yannick Bofis qui est tout simplement champion du monde en titre. Un titre qu'il a acquis en octobre dernier à Albi, justement, dans la ville de Paul Koldrick. Numéro en français aussi, Yannick Bofis. Actuellement, oui. Premier au classement provisoire. Il enchaîne les belles performances, la régularité. Lui qui arrive à vivre de son activité billard, avec également les formations qu'il dispense. Et si vous voulez faire vous aussi des formations au billard, eh bien c'est disponible sur le portail formation de la Fédération Française de Billard, où il y a toutes les infos. Devenez un acteur majeur de ce sport, cette discipline. Pendant ce temps, Yannick Bofis qui continue son petit bonhomme de chemin. Encore 4 jaunes à empocher. Pour l'instant, le schéma de jeu est parfait. Aucune erreur. Ouais, elles sont assez aérées, ces billes. Vraiment négociable. Petit effet rétro. Très léger. Voilà, pour se faciliter la vie le plus possible. Ce que les joueurs de billard recherchent. Ne pas laisser place à quelconque réussite. On l'a vu, hein, quand on essaie de tenter des coups des fois un peu osés, ça passe très rarement. Et là, Yannick Bofis, il joue toute sécurité. Le replacement est parfait pour continuer sur la bille en bas de table. Et Paul Koldrick qui le sait. Hein. Ce coup sur la dernière rouge sont souvent des coups qui peuvent coûter une manche. Et en l'occurrence, ça peut payer. Alors attention, il y a quand même une jaune, puis la noire à empocher pour Yannick Bofis pour décrocher cette première manche. On le rappelle, hein, c'est le premier en 7 dans cette demi-finale qu'il se qualifiera pour la finale. Alors la replace de cette blanche, elle est très bonne. Ouais, Yannick Bofis qui va avoir tout le loisir d'empocher cette noire en poche centrale normalement pour s'adjuger la première manche. Ah, superbe. Sous les applaudissements du public venu supporter les grands acteurs, les grands talents de ce billard black ball français. Ouais. Première manche donc pour Yannick Bofis. C'est important de bien commencer. En plus, ce sera vite de casser en plus. Exactement. Clairement pris l'ascendant. On en parlera hein, peut-être en interview tout à l'heure avec Patrice, mais la fatigue hein, qui peut payer aussi. Paul Koldrick qui vient de sortir de son quart de finale. Ouais, c'est le dernier match de la journée pour eux. La finale aura lieu dimanche à 13h. Soyez au rendez-vous hein, d'ailleurs pour un grand spectacle. Cette finale du Black Ball Master, tournoi numéro 6, tournoi national numéro 6, par des expos de Villeneuve-sur-Lot. Venez hein, également si vous êtes dans le coin. Spectacle garanti. Très beau spectacle, une belle organisation. Donc vous ne vous ennuierez pas. Complètement excentré côté gauche pour la casse de Yannick Bofis. Quasiment contre la bande. C'est assez particulier comme casse. Il utilise la bande de la poche pour assurer son coup. Deuxième bille, il empoche. Il empoche, mais une situation un peu compliquée pour cette blanche. Collé à cette jaune. Les rouges paraissent plus intéressantes, hein, plus écartées les unes des autres. Il y a quand même deux groupes de deux jaunes qui sont collés au centre de la table. 1 minute 10 pour réfléchir pour Yannick Bofis. Quel est le meilleur coup à faire? Après avoir empoché une rouge, on le rappelle, ça peut avoir son importance pour la suite de cette manche.
Et Paul Coldrick qui lui aussi hein, enchaîne les déplacements, car il n'a pas uniquement une activité black ball, il est également sélectionneur des équipes de France de snooker. Donc forcément, il fait les déplacements lors des derniers championnats d'Europe notamment qui ont eu lieu à Malte. Très engagé pour la fédération. Alors qu'Yannick Bofis va se concentrer sur cette rouge poche centrale. Avec un replacement encore une fois idéal. Très très bien replacé. Alors je pense qu'il voulait peut-être se replacer idéalement pour négocier cette rouge qui est enfermée dans ce triangle de jaune. Donc créer un petit décalage, oui, effectivement. C'est vraiment la et plus grosse difficulté ouais. de la table. Ne s'y trompe pas. Hein. Prend la tête. Demande l'extension. Il est obligé. Hein. 13 secondes à son compteur. Il fallait qu'il la prenne pour assurer ses arrières. Cette rouge ouais, qui peut paraître très embêtante hein, entre les deux jaunes. Tout à gauche de votre écran, en bas à gauche. Et donc vous le voyez, Yannick Bofis qui a alloué de 39 secondes encore à son compteur. Il a dépassé le chrono, mais l'extension lui permet d'en rajouter 45. Ça en poche. Il a peut-être tenté d'écarter les jaunes pour vous permettre d'avoir une meilleure vision sur la rouge. Ah, c'est peut-être... Selon l'angle qu'il peut négocier, c'est peut-être le moment d'y aller là. Sur cette rouge. Et il va y aller, justement. Il ne peut pas avoir un meilleur angle en tout cas. Sans décrocher les jaunes. Attention toutefois à ne pas toucher la jaune d'abord. Ouais, il le voyait. Il le voyait cet angle. Et c'est superbement fait là. Véritable démonstration là de la part de Yannick Bofis. Qui est en train de montrer toute sa palette technique. Avec ce bille sur bille qui va arriver poche centrale. À moins qu'il la glisse en douceur directement. Ouais, il y c'est va. Ça, exactement. Il y va, il est chirurgical. C'est d'ailleurs son surnom. Hein. On l'appelle, on le surnomme le chirurgien dans le circuit, un peu dans le milieu du black ball. Donc on s'y trompe pas. Hein. On peut comprendre pourquoi hein, quand on voit ce qu'il nous propose actuellement sur ces deux premières manches en tout cas. Pas une seule erreur. À chaque fois qu'il est allé à la table, c'est pour conclure. Alors que ça fait maintenant quelques instants que Paul Coldrick est assis sur sa chaise, impassible. Attention à cette blanche. Un peu soucieux. Oui. Ça va. Elle nous roule. Elle s'arrête au bon moment, j'ai envie de dire. De justesse, mais ça passe. Pour enchaîner avec la noire et remporter ah. cette deuxième manche. Il enchaîne, Yannick Bofis. Après la casse. Est-ce qu'il a laissé la main à Paul ? Même pas, je crois. Même pas. Donc ça s'appelle une casse ferme. Il n'a pas laissé jouer son adversaire. Et déjà le break dans cette rencontre. 2-0. Le premier en 7, on le rappelle, qui se qualifie pour la finale. Alors que la deuxième demi-finale, table 3, va commencer aussi avec un peu de retard. On verra le potentiel futur adversaire de Yannick Bofis ou Paul Coldrick. Pour ce tournoi national numéro 6. Que les billes sont replacées par l'arbitre de cette rencontre, qui est Christophe Bosco. Toujours aussi méticuleux, c'est important. C'est très important. Que toutes les billes se touchent entre elles. Surtout auprès des joueurs qui sont non moins méticuleux. Quand ça se joue à quelques millimètres, on peut les comprendre. Même position pour Paul Coldrick. Yannick Bofis, deuxième bille. Également, mais la blanche qui rentre. Blanche, ça fait faute. Ouais. La blanche qui est rentrée. Aïe. Mentalement, c'est dur. Pour Paul Coldrick, qui a été assis toute la manche précédente et qui, sur la casse, commet une faute. Donc, Yannick Bofis va avoir droit à deux visites
deux coups, dont un tir libre. Premier coup gratuit, et le deuxième après il verra ce qu'il pourra faire. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il n'a pas spécialement encore choisi de couleur, donc il a tout le loisir de faire ce qu'il a envie. L'arbitre qui lui a passé la bille blanche contre la bande, il peut maintenant s'en servir. Ouais, une case qui a pas non plus qui est pas non plus extrêmement espacée. Les billes sont assez resserrées sur la table. Sans doute un coup en force hein, pour dégager ces billes. Ils peuvent peut-être lui poser souci. Alors, quel est le plan de jeu là ? Ce serait plutôt les jaunes dans l'idée ? Il y a beaucoup plus de billes jaunes en tout cas qui sont proches des poches, très espacées les unes des autres. Pour faire le bille sur bille. Est-ce qu'il y a la place de faire le bille sur bille, sachant qu'il y a la rouge devant hein, qui pourrait potentiellement la gêner en bas à gauche de votre écran. Il ne reste 15 secondes en tout cas pour réfléchir. Assez fréquent que les joueurs calculent 3 voire 4 coups d'avance. Il le tente en tout cas, il va essayer de passer, contourner cette rouge. Ah, il le tente, ça passe pas, ça malheureusement passe pas. Pour lui. Ouais, c'était un coup très difficile. Hein. Paul Coldric qui a toujours le choix des couleurs. Alors qu'il ne va pas se priver de prendre les jaunes, hein, à mon avis. Il aurait du mal à le voir prendre les rouges. Il examine. Ouais. Fait le tour de la table. Toutes les possibilités. Un petit coup de craie, comme ils en ont l'habitude, les joueurs. Le bleu, si vous avez entendu cette expression. Et Paul Coldric demande directement l'extension. On n'a même pas eu besoin de jouer un seul coup pour lui. Il a déjà besoin de l'extension. Très soucieux de choisir le bon coup à jouer. Il va effectivement partir sur les jaunes. Attention à cette blanche qui roule. Ça devrait passer entre les deux rouges. C'est vraiment positionné contre la rouge, celle plus en haut. Elle n'est pas collée. On le voit sur ce plan. Les deux joueurs qui se sont déjà affrontés deux fois cette saison. Et pour l'instant, un partout. Chacun a remporté un match. C'est la belle entre les deux joueurs cette saison. Paul Coldric qui va plutôt remonter la table pour aller chercher cette jaune tout en haut. Ah, elle était très forte. Et la poche qui a refusé la bille. Trop de puissance dans ce coup-là pour Paul Coldric qui peut s'en vouloir hein, parce que là il avait une véritable opportunité d'engranger de la confiance. C'est important hein, dans ce genre de partie. Vous êtes déjà mené des 2-0. En plus à la casse, il avait rentré la blanche. Il avait vraiment besoin d'accumuler de la confiance. Ouais, il est très agacé. C'est pas le début de partie idéal pour lui. Clairement pas. Et ça va offrir une nouvelle opportunité à Yannick Beaufils. Avec les rouges. Ça semble peut-être un petit peu plus difficile. Notamment cette bille rouge qui est complètement collée à la bande proche de la noire. Ouais, c'est la grosse difficulté. Hein. Comment va-t-il s'en défaire ? Avec aussi ce paquet de jaunes hein, qui peut l'embêter un peu au centre de la table. Peut-être sur ce coup-là. Il va peut-être essayer de... Est-ce qu'il y a l'angle ? En empochant la rouge, faire un rejet. Ouais. Pour venir débloquer la situation. Alors il faut voir par rapport au replacement et par rapport surtout à l'empochage. Si jamais il arrive à l'empocher, comment est-ce que la bille va rebondir ? C'est ce qu'il est en train de calculer là à l'instant. Vous voyez bouger avec sa queue. Réfléchir aux éventualités. Mais on l'a vu si souvent. Hein. Ouais, ah, superbe.
Ah, pas assez décroché quand même. Quel dommage que cette blanche vienne se coller à la rouge. Parce que là, il avait fait, il avait mis l'effet qu'il fallait, la puissance. Combien de fois on a vu, hein, notamment sur la finale féminine, que vous avez peut-être suivi avec nous tout à l'heure. La précipitation, où on voit la joueuse déjà anticiper le prochain coup, mais sans empocher celle d'avant. Ouais. Avant tout, il faut bien travailler l'empoche. Il a pris l'extension. Il a demandé l'extension, ouais, exactement. Qui en a besoin, parce que là, il va essayer de décrocher cette rouge de la bande. Il a besoin pour pouvoir développer son jeu. Alors, il a décollé de la bande, mais il n'a pas empoché. Il laisse Paul Koldrick là dans une situation qui n'est pas non plus extrêmement défavorable. Il peut empocher, Paul. Il peut empocher, mais derrière, comment faire? Parce qu'on voit par exemple tout en bas de la table une jaune collée à la noire. Et deux jaunes un peu au centre de la table qui sont bien entourés par trois rouges. Sous le regard impénétrable de Christophe Bosco. Magnifique. Très très bien joué ça de la part de Paul Koldrick. En puissance. Il s'est un peu défoulé là. Mais il avait le bon angle pour négocier cette jaune. On les aime, hein, ces coups avec la bande. Ouais, la toujours précision de ces coups, on en parle très rarement, mais toujours impressionnant. Très très beau à voir. Une vraie technique qu'on apprécie. Allez, c'est maintenant que ça va se corser pour Paul, qui s'attaque à la moitié basse du billard, celle qui est le plus embouteillée. Je ne sais pas si elle a assez voyagé cette bille blanche. Elle a l'air un peu embêtée, Paul Koldrick. Pas trop savoir quoi faire. Ah, c'est sûr qu'on perd en précision dès que la blanche est loin de la bille de choc. Donc il y a cette jaune en diagonale là, qui va pouvoir négocier. Mais un coup très difficile à jouer encore une fois. C'est bien fait. En puissance. Mais le replacement, encore une fois, est pas... Ah, le replacement va être compliqué. Ouais. Alors peut-être qu'il jouait justement en puissance pour essayer de débloquer la situation. Mais cette blanche qui n'a pas atterri là où il voulait. Cette blanche qui a remplacé la rouge en quelque sorte. Faire un coup défensif. Il va être obligé là, de pousser tout doucement cette blanche pour essayer de rendre la vie difficile à Yannick Bofis. Il s'est quand même rassuré, Paul Koldrick, sur cette main. Mais malheureusement, pour lui, c'est pas encore gagné. Hein. Ah, Yannick qui peut empocher. Donc forcément, ce sont des joueurs qu'on n'aime pas voir jouer, tout simplement. Il vaut mieux qu'ils restent assis pour l'adversaire. Toujours une menace quand on les voit autour de la table. Clinique. Ah, il a pris la mauvaise quantité de billes là pour empocher cette rouge. Il passe la main. Un peu trop en dessous malheureusement pour lui. Bon, il jouait pas avec un. Il jouait pas sans filet puisque là comme vous voyez, Paul n'a pas beaucoup d'options. On est en train de regarder côté Christophe Bosco si c'est une situation de totale. On vous rappelle, hein, une situation de totale, c'est quand vous ne voyez pas la bille de votre couleur, vous ne pouvez pas la jouer directement. Obligé de passer par la bande. Ah, c'est très bien joué ça. Superbe coup là. Très très beau coup de la part de Paul Koldrick qui va forcer Yannick Bofis à jouer un coup de défense. Ça paraît impossible. À attaquer cette bille. On suppose qu'il va réemmener cette blanche de l'autre côté du billard.
pour compliquer un peu le tour de Paul. Il y a quand même cette rouge hein, tout en haut de la table qui est négociable. Ah, c'est parfaitement fait. Ah, il joue la faute. Il joue un coup mesuré pour la Paul, pour le coup, qui voit ses billes. Mais qui reste très compliqué à empocher. Manche beaucoup plus psychologique hein, que les deux premières qui avaient été expédiées par Yannick Bofis. Paul Coltré qui veut montrer aussi qu'il a mérité cette place en demi-finale. Et qu'il a tout le talent pour aller pourquoi pas décrocher une finale dans ce tournoi. Elle est un petit peu courte. Il aurait voulu, je pense, passer en dessous de cette jeune. Je pense qu'il voulait un peu bloquer la vue de Yannick Bofis. Malheureusement pour lui, c'est pas réussi. Se cacher hein, derrière la jaune et la noire, c'était son objectif en bas de table, tout à gauche de votre écran. Malheureusement, le coup n'était pas assez précis. Et Yannick Bofis qui va de nouveau avoir la main. Avec un coup encore une fois difficile hein, de l'autre côté de la table. Ah, il est droit. C'est rétro, c'est très très bien fait. Il est droit. Technique. Yannick qui fait un carreau, c'est-à-dire que la blanche n'a vraiment pas bougé après l'impact. Même fait un carreau arrière, elle a un petit peu bougé très légèrement rétro, ouais. En arrière pour pas faire parfaitement se replacer derrière ce coup. C'est du grand billard, c'est du grand black ball qu'on voit cet après-midi en Lot-et-Garonne. Ouais, Yannick Bofis qui a un peu banalisé les performances époustouflantes, tout comme ses confrères Christophe Thébault et Christophe Lambert. C'est un peu les trois maestros de ce sport. Christophe Lambert, par contre, qui n'a pas réussi à se qualifier dès les huitièmes de finale, éliminé. On a pu en commenter ce matin pour son 16e. Yannick Bofis lui répond présent et est en train de se positionner pour emporter une troisième manche consécutive. Mené 3-0. Ça ferait très très mal à la tête de Paul Coltrick, qui a pourtant bien résisté hein, sur cette manche. Il a essayé d'en donner le moins possible. Mais contre ces joueurs-là, ça suffit très rarement. Ah, superbement fait là, il a débloqué la situation. Quel beau coup encore une fois. Le replacement est parfait. Et la noire est parfaitement positionnée pour être empochée en haut à gauche de votre écran. Voilà. Et Yannick Bofis qui s'adjuge la troisième manche. 3-0 désormais, donc un joli break là pour Yannick. Véritable cavalier seul hein, pour l'instant de Yannick Bofis qui surdomine cette première demi-finale. Et Paul Coltrick qui commence à se poser quelques questions. Savoir on peut si dire que Paul a eu peu de réussite jusque-là après son tir fautif. Ça va être à Yannick en plus de ça de casser. Et on l'a vu hein, tout à l'heure, il a fait une casse pleine. Une casse ferme. Casse ferme. Ouais, exactement. Donc il a cassé et fermé la table en laissant son adversaire sur la chaise. Alors qu'on replace toutes les billes côté arbitrage, Christophe Bosco. En replaçant toujours la noire hein, en dernière. Pour bien la mettre au centre de la table. Avec le polo arbitre hein, que vous pouvez procurer sur le shop FFBR. N'hésitez pas. Très beau hein, ce polo d'ailleurs. On en a vu des beaux polos tout au long du week-end. Exactement. Polo équipe de France également que Yannick Bofis connaît bien, ainsi que Paul. Ouais, les deux font partie du groupe France qui a été champion du monde par équipe cette fois-ci à Albi. Allez, la casse de Yannick Bofis. Toujours deuxième billet. Côté gauche.
cette fois-ci, il ne va pas empocher hein, de billets, non. Même si les jeunes se sont entrechoqués en bas de la table. À Paul Koldrick, maintenant d'avoir une minute trente. Il a déjà analysé pour partir jeune. C'est clairement le plus intéressant hein, quand on voit la table. Les rouges qui sont toutes alignées les unes avec les autres en rang deux par deux comme les enfants. Ce qui rajoute de la difficulté. Joli rétro là. Un rétro montré dans les écoles. La bille qui a bien tourné. On en parle hein, des écoles d'ailleurs qui étaient venues hein, les enfants à Villeneuve-sur-Lot vendredi pour partager des moments avec les bénévoles, une bonne initiation. Exactement, et une très belle initiative, encore une fois, à mettre au crédit de tous les bénévoles et de l'organisation du club de billard de Villeneuve-sur-Lot. Avec la collaboration évidemment de la Fédération française de billard, qui veut promouvoir la jeunesse. On a vu notamment Nicolas Henrich, le sélectionneur des équipes de France, donner des cours aux jeunes. C'est une belle image qu'on veut véhiculer. Pour potentiellement devenir les grands espoirs de demain. Du billard tricolore. Ah, tout le monde s'investit dans le billard. Et cette discipline se développe de plus en plus en battant toujours plus les records de licenciés en France. Il y a le black ball, mais également d'autres disciplines. Je l'ai cité tout à l'heure, le snooker. Également le billard français, le billard carambole et le billard américain. L'extension demandée par Paul Koldrick sur cette jaune. Il a besoin de réfléchir, de savoir quel chemin prendre. Parce qu'il a l'air d'être très embêté par ces deux jaunes un peu plein centre là. Il a du mal à trouver un angle pour se défaire de cette rouge. Juste à l'heure de sa droite. La droite des deux jaunes, là, vous pouvez constater sur votre écran. Il y a une bille rouge. Ça, c'est un peu problématique pour lui. Voilà, c'est important, là, cette manche, parce que à 3-0, c'est vraiment crucial pour lui de se remettre dans son match. Il a essayé, en tout cas, de dégager cette rouge pour avoir l'espace. Chose faite. Et maintenant, il va falloir valider. Pour l'Albigeois. Et enfin remporter cette première manche. Petit chevalet pour cette jeune. Exactement, le chevalet positionnait sa main par-dessus une bille pour pouvoir jouer la blanche. Donc c'est toujours un peu compliqué parce que ça complique la précision. Du coup, là Paul a quand même empoché. Un coup très technique. Chez vous, hein, vous pouvez vous entraîner. Très difficile d'arriver à tenir une queue de billard en positionnant votre main en chevalet. Ouais, c'est généralement ça qui fait la différence entre les joueurs que vous voyez à l'écran et les simples amateurs. Pour l'instant, Paul Koldrick qui est en train de nettoyer cette table de toutes les jaunes. Ouais, mais cette noire qui est vraiment pas évidente à négocier. Il faudra que... Une très bonne replace là. Après l'empochage de la jaune poche centrale. Secondes, vous avez pu le lire sous les lèvres de Christophe Bosco. Prévenir les joueurs. Aïe, aïe, cette blanche qui roule pas, c'est catastrophique là pour Paul Koldrick. Ah, il fait un coup de frustration. Ça fait faute. Ah, il est super frustré dans cette demi-finale. Il y a de quoi, on le comprend parce que ça se joue à quelques détails, mais voilà, la précision dans la replace, on le disait, ça allait être crucial. Yannick Beaufils qui va demander de prendre cette blanche pour pouvoir la repositionner en haut de la table. On le voit avant la ligne noire tracée en haut de la table. Et du coup Yannick Beaufils qui a deux coups pour s'illustrer. Premier pour placer parfaitement cette première rouge. On aurait pu être mieux placé mais sans trop de difficulté. Ouais. Pour lui. Il a également l'option de piéger un peu Paul parce que cette noire
n'est pas extrêmement proche d'une poche. Donc il peut le piéger s'il en ressent le besoin. Il a l'air d'être très confiant dans son jeu. Ce qu'il va surtout essayer d'empocher. Ce qu'il va faire. Et continuer comme il l'a fait sur les trois premières manches. Dérouler son jeu. Toute la frustration de Paul Coltrick qui avait pourtant fait quasiment le plein sur cette manche, qui était prêt, tout proche de revenir à 3-1. Bah, ça aurait pu lui remettre la tête un peu à l'endroit, cette reprise ferme. Et là, on se rapproche plutôt du 4-0. Il reste plus que 4 billes rouges, plus le noir à empocher pour nettoyer cette table. Yannick Beaufils qui est très très bien parti là pour mener 4-0. Avec une bande. Une bande avant contact. Voilà, encore une preuve de son talent, sans pression. Il est venu en toute confiance. C'est assez impressionnant ce qu'il nous propose. Véritable démonstration là qu'on voit. De Yannick Beaufils. Il n'est pas numéro 1 français pour rien. Et il le prouve. Ah, il fait preuve d'une régularité toujours assez impressionnante. Avec un nouveau replacement encore de grande qualité pour empocher cette bille rouge, bille centrale, poche centrale, pardon. Ça fait 4-0. Pas encore, encore la noire. Ah oui, pardon. Effectivement. Pas trop vite en besogne. Ça devrait le faire, ouais, voilà. Ça fait 4-0. Pour Yannick. Le double break pour Yannick Beaufils. Plus qu'à 3 manches de la gagne. Et Paul Coltrick qui doit se demander comment faire pour décrocher au moins une manche là. Ça devient urgent pour lui. Ouais, il a une telle frustration que faut pas que ça lui sorte trop du match. On l'a vu là faire un coup de frustration de jouer directement là cette noire. Il y a aussi beaucoup de fatigue, hein. C'est le dernier match de la journée pour les deux joueurs. Donc, mine de rien, c'est le quatrième match hein, de la journée. Ouais. On a commencé ce matin. Et beaucoup de pression, notamment sur ce quart de finale où il est passé presque miraculeusement face à... C'est au joueur de... On va vous trouver l'info. Face à Pierre Damien Coz. Voilà, Pierre Damien Coz. Cette manche à 5. Il y avait 5 partout. Et honnêtement, pour voir sa fin de match, c'était très très serré. Ouais, ça empoche. Ça empoche. C'est déjà ça, on va dire. Ça fait du bien. Il va pouvoir rester sur la table. Et maintenant, que choisir? Il y a quand même un groupement de 4 billes au niveau de la casse. La zone de casse là, qui reste un peu serrée de rouge de jaune. Il va plutôt partir sur les jaunes alors qu'il a empoché une rouge. Ça peut paraître contradictoire, mais croyez-moi, c'est tout à fait calculé. Et il a besoin de retrouver cette confiance, Paul Coltrick. Qui avait pris la main tout à l'heure. C'était mal passé. Il a besoin... Allez, au moins d'aller chercher une manche pour le relancer. C'est parfait. Cette bille sur billet. Très bien joué. Maintenant, cette jeune qui est venue un peu se placer là où il voulait pas. C'est-à-dire où il y a ces deux rouges. C'est un peu bouché là, ce milieu de table. Il a le temps de réflexion, 30 secondes encore à son timer. Peut-être demander l'extension s'il en a besoin. Voilà qui est fait. Demande d'extension. Il va rajouter au moins 45 secondes à son compteur. Il va choisir du coup de remonter la table sur cette jaune. Voilà qui est fait, mais attention, la replace qui est un peu compliqué malheureusement. Encore une fois là, il a des billes assez difficiles à négocier.
pas eu une seule table simple hein, pour l'instant. Hein, Paul Coldrick, il a joué un peu de malchance. Mais pour se procurer une table simple, il faut aussi jouer les bons coups. Un certain replace. Ouais, ouais, ça c'était superbement bien vu. Très bien fait, il en a dégagé deux comme ça. Il en reste encore une, par contre. Encore au centre de la table. Avec deux rouges collés à cette jaune. Oui. Il a besoin de voir comment négocier cet angle. Sachant qu'il n'a plus d'extension, donc il va falloir jouer 20 secondes encore pour lui. Un effet rétro, il a sorti une. Et ouais, mais il voulait peut-être sortir les deux là. Essayer de décoller. Il y a potentiellement un angle si jamais il arrive à bien replacer cette blanche au niveau de la zone centrale. Ça pourrait lui permettre de lui offrir une opportunité d'empocher la bille jaune en bas à gauche de votre écran. En bas de la table. Il faut donner le bon effet. Elle s'appuie sur la rouge. Très bien fait. Ouais, s'il tente ça, c'est que il doit pouvoir la passer, celle-ci. Il a l'angle en tout cas. Semblerait que. Ou alors il joue avec. Il tente une bande peut-être. Ça me paraît compliqué de jouer la bande. Faut voir en fait si les billes jaunes et rouges sont complètement collées ou non. Ça pourrait dévier de la trajectoire de la jaune si jamais il la joue en direct. On va tenter la bande. Malheureusement, ouais. C'est. Cette rouge qui est venue s'interposer entre la poche et la jaune. Ça faisait partie du risque. Il passe la main là à Yannick alors qu'il avait quasiment nettoyé sa table. Alors attention, la table de Yannick n'est pas spécialement bonne non plus. Il y a quand même deux billes rouges qui sont collées à la bande. Niveau central. On va voir comment il peut réussir à négocier cette table. Sachant qu'il a encore 6 billes rouges à rentrer. Ouais, il va pouvoir également aisément piéger Paul. Qui a qu'une jaune là en bout de table. Il peut facilement le snooker. Et potentiellement boucher hein, cette entrée vers la poche du fond. Si jamais il penche plutôt sur un scénario défensif. Mais il a l'air d'être tout en confiance. Hein. Il a complètement la maîtrise de cette rencontre pour l'instant. Un match à sens unique. 4-0. C'est ce qu'il va faire, il va tenter de jouer défensif cette fois. Provoquer la faute de Paul Coldrick. Non, pas spécialement. Même pas, bande opposée. Quel beau coup, tout simplement. Et avec une prise de risque quand même qui est assez élevée, puisque vous voyez cette blanche qui pouvait être jouée après pour Paul. Donc là, il fallait être sûr de son coup, il l'était Yannick. C'est le coup des grands champions, hein, ceux-là. Il arrive à nous sortir à... Des coups quasiment sortis de nulle part. C'est ça qui fait la beauté de cette discipline. Cette vision de jeu. Si caractéristique à Yannick Bofis. Ouais, mentalement, il est solide. Encore 3 billes rouges à empocher. Il va falloir faire du voyage par contre, parce qu'il n'y en a qu'une seule en bas de table. Les deux autres sont de l'autre côté. Sous le regard de Paul Coldrick qui malheureusement le pauvre on a envie de dire passe un mauvais moment. Ah, pour l'instant rien ne lui sourit. Maintenant on en a déjà vu hein, des revirements de situation. C'est pour ça qu'il faut rester toujours extrêmement concentré. Surtout à ce stade de compétition, quand on est en demi-finale, c'est pas pour rien. On a prouvé avant qu'on faisait partie des 4 meilleurs du tournoi. Cette édition. Encore une bille rouge pour Yannick Bofis qui s'est une nouvelle fois parfaitement replacé.
sous les yeux du président de la Fédération française de billard et de sa compagne. Qui doit apprécier le spectacle offert par Yannick Beaufils. Voilà, directement. Ça fait 5-0 pour Yannick, là, qui est en train de réciter son billard. Paul lui a laissé une seule petite chance. Et ça a fait mouche. Très, très difficile. Hein, quand on voit la maîtrise de Yannick Beaufils, savoir quoi faire, ne serait-ce qu'empocher une manche. Ce serait, ça relèverait presque du miracle, on a envie de dire, tellement la domination est outrageuse. Alors qu'on on voit un Christophe Bosco replacer les billes, le fameux J qu'on peut voir côté jaune. Remplacement de billes parfait. Méticuleux. Sous les yeux du joueur de l'équipe de France, Kevin Lelong, qui faisait partie de l'aventure des champions du monde à Albi en octobre. La casse pour Yannick Beaufils en cette sixième manche. Quasiment 50 minutes hein, de jouer. C'est parti, c'est de rouge qui a pas voulu tomber. Non, tourné autour, mais c'est pas rentré. On le rappelle à quel point cette poche centrale peut être cruelle. Très exigeante. Un millimètre de côté et ça peut complètement faire pencher la bascule. La balance. Ouais, Paul qui va pouvoir essayer là de empocher quelques billes, regagner un peu de confiance avant la pause. Si la pause est demandée, pas toujours le cas, mais bon, en l'occurrence je pense que Paul la demandera. Peut-être pour casser un peu la dynamique. Ouais, il en a besoin là, Paul Koldrick. Ce serait bien de se rassurer quand même. Voir quelle couleur il peut potentiellement jouer. Difficile à cette table de savoir. Et Paul Koldrick en est conscient. Choisir les rouges. Il a pris son temps. Il a 1 minute 30 pour réfléchir. Il a tout le loisir du monde pour. Ouais, mais encore une fois, pas satisfait là de son coup. Il est venu un peu s'embrouiller avec sa rouge. Il y a trop d'imprécisions dans son jeu. Forcément dû à la frustration, on le comprend. En même temps, demi-finale, être mené comme ça sans pouvoir forcément développer son jeu, c'est extrêmement frustrant. Et les seules petites opportunités, les maigres opportunités qui s'offrent à lui, malheureusement, il n'arrive pas à bien les négocier. C'est dommage. Ah, dommage, il essayait d'approcher cette rouge, mais il verrouille même pas complètement cette poche, donc ouais, il peut être frustré là en se rasseyant. Un coup de dépit, hein, on a l'impression, il a joué sans trop la jouer, hein, honnêtement. Si ça passait, c'était tant mieux, sinon tant pis. L'impression qu'il est en train d'abdiquer, Paul Koldrick, impuissant face à la démonstration. Yannick Beaufils. Il a demandé l'extension parce qu'il y a beaucoup de billes sur la table et il y a un schéma de jeu qu'il doit adopter. Difficile là de savoir quel chemin prendre. Les billes sont très éclatées les unes des autres. Il va plutôt passer par le bas de table d'abord pour remonter ensuite. Et ces trois jaunes hein, que vous voyez tout à droite de votre écran, dont une complètement au centre. Ce sera le plus gros problème de cette table pour Yannick Beaufils.
poche centrale à négocier sur cette jeune plein centre de votre écran fourni par cette magnifique caméra perpendiculaire. Plutôt choisir de prendre la première jeune pour l'envoyer tout en haut de la table. L'accompagner avec un bel effet coulé. Ah, il est en pleine confiance, Yannick. Il va pouvoir effectuer le bille sur bille à présent. Clairement en train de montrer toute sa palette technique. Là, c'est assez impressionnant ce qu'il nous propose. Et quand ça rentre, ça fait mal. C'est souvent mouche. Ah, ce serait le retour de vacances rêvé là pour Yannick Bofis s'il parvenait à aller au bout de ce tournoi. Il y aura du chemin encore. Un beau cadeau de fiançailles, quelque part. Exactement. Cette finale et pourquoi pas cette victoire. Maintenant, attention. Attention, parce qu'il faut évidemment rester concentré. Il y a encore deux manches à aller chercher. Hein. C'est pas fini. Il faut à tout prix que Paul Koltryk se remette les idées au clair. Parce qu'on connaît bien cette discipline. Et elle peut souvent apporter des mauvaises surprises. Yannick Bofis qui va jouer un coup plutôt défensif. Empêcher son adversaire de pouvoir jouer. Très difficile. Hein. Encore une fois, le coup que va devoir jouer l'Albigeois. Il semble complètement désabusé. Hein. C'est assez parlant. On en parlait en début de rencontre, très expressif dans son jeu, Paul Koltryk. Pourtant, c'est rentré. Très beau coup là, de la part de Paul Koltryk. Super bille là, en poche centrale. C'est dommage hein, parce qu'on a l'impression qu'il pourrait vraiment lutter face à Yannick Bofis. Il avait peut-être un peu plus de confiance ou un peu plus de précision dans ses coups. Il faut dire que même si les erreurs se comptent probablement sur le doigt d'une main, bah, face à Yannick Bofis, ça ne pardonne jamais. Et là, c'est un très beau coup encore qui vient de réaliser. Il vient de s'enlever la difficulté de cette rouge collée à la jaune. Et le replacement derrière de la blanche n'est pas idéal pour lui. Complètement collé à cette jaune en haut de table. Et les billes qui s'offrent à lui ne sont pas si évidentes que ça à jouer. Satisfait encore une fois. Souvent la moue dans cette rencontre. Il y a de quoi. Là, ça oblige de faire un chevalet. Vous voyez les conditions. Enfin, là, c'est compliqué pour jouer cette blanche. Ouais. Oh, il le fait extrêmement bien. Parfaitement joué ça. De la part de Paul Koltryk. Il était obligé de mettre assez de puissance pour voyager comme ça. Il va être contraint de refaire le même coup hein, cette fois-ci. Cette fois-ci un peu plus décollé, donc plus facile à maîtriser dans son jet. Mais les trois billes qui restent, difficilement abordables. Hein. Il va falloir un coup un peu sorti de nulle part là pour Paul Koltryk. Tenter une bande, j'ai l'impression. Oui, ce sera la bande qui sera choisie. Parfait. Ouais, superbement bien fait. En train de retrouver de la confiance, Paul Koltryk. Qui montre aussi qu'il a vraiment les qualités. Ouais, il faudrait qu'il ferme cette table là, parce que jusque-là, il nous a montré de très beaux coups, mais malheureusement sur la finition. Et c'est ce qu'il nous avait confié avant le match. C'était un peu ça depuis le début de week-end, le point noir, la finition des tables. En tout cas, pour l'instant, il répond présent sur cette sixième manche qui lui ferait tellement de bien avant la pause. Alors, attention ici. Ça va être la replace après hein, pour la noire. Déjà l'empocher, c'est une chose. Parfaitement fait. Superbe. Oh, c'est superbe coup là de Paul. Fait. Qui est arrivé en tout en puissance. Qui avait l'angle parfait. Et l'empochage maintenant en poche centrale. C'est ouais, bien voilà. Fait. Et voilà, enfin cette première manche pour Paul Koltryk qui revient à 5 manches à 1.
Il nous a montré qu'il avait du répondant là, très gros niveau de jeu. Et les deux joueurs qui font une pause. Petite pause de 5 minutes. On va retrouver Patrice qui va voyager un peu dans le public pour nous offrir des interviews. Patrice, à vous. Allez, on est à la pause de cette demi-finale entre Yannick Bofis et Paul Koldrick. C'est compliqué hein, pour Paul. Je suis avec un joueur de billard, qui est en attente de son 8e de finale. Quel sentiment là sur cette demi-finale? Je trouve que Paul manque de réussite et Yannick est vraiment très 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 costaud comme il a été toute la saison. Et j'espère que la manche là pour Paul qui vient de fermer, une très belle ferme, va pouvoir la remettre dans le match et puis se relancer. En tant que joueur de billard, est-ce que le 5-1, on dit toujours que c'est jamais fini, mais là c'est une réalité, à 5-1 il peut encore revenir Paul? Alors oui, c'est jamais fini, on a déjà vu des belles remontées, hein, des 6-0 se faire remonter pour perdre 7-6, donc oui, après c'est vrai que c'est Yannick en face, et Yannick depuis les championnats du monde, je le trouve vraiment exceptionnel, donc moi j'aimerais que Paul remonte un peu, mais voilà, je pense que Yannick va quand même gagner ce match. Ouais, Loïc et Alexandre, pendant la retransmission là, cette première partie de rencontre, disaient qu'il est chirurgical, Yannick Bofis, c'est vraiment le terme. C'est ça, c'est exactement ça, un seul terme, chirurgical. Bon, la chance, c'est les huitièmes de finale pour vous? Oui, huitièmes de finale, moi, mon objectif c'est de me qualifier pour les France, donc là, chaque tour que je passe, c'est des points en plus pour la qualification aux France Hénin, donc on verra. J'attends mon adversaire. Allez, bon, on attend tranquillement. Et puis en regardant la demi-finale de Yannick Bofis avec Paul Koldrick, on est ici sur la table 1. Merci beaucoup et puis bon courage. Hein. On croise les doigts. Merci. Merci à Patrice Couturier pour nous avoir dégoté cette analyse. Très bonne analyse hein, de ce supporter. Ah, des analyses de joueurs de billard, forcément. Donc ils peuvent se mettre assez facilement à la place des joueurs. Et comment se mettre à la place de Yannick Bofis? Comment arriver à se positionner? C'est sûr que quand on voit le palmarès du numéro 1 français, on a évidemment des yeux très élogieux et des termes à son encontre. Donc voilà, comme on l'appelle le chirurgien, c'est pas pour rien. Pour l'instant, il est parfait. Juste cette dernière manche. C'est Paul Koldrick qui est allé la chercher quand même. Exactement, Paul qui a montré un vraiment très bon niveau de jeu. J'ai trouvé du moins, avec des coups vraiment pas évidents à négocier. Une table qui était très très loin d'être donnée. Et il a réussi mine de rien à la fermer. Donc c'est, on va dire, porteur d'espoir pour la suite. Parce qu'il en a besoin, Paul. Pour le suspense de cette rencontre, on lui souhaite évidemment qu'il recolle un peu. Ah ben on espère évidemment qu'il puisse revenir au score pour le suspense, pour le spectacle. Qu'on puisse avoir une vraie demi-finale à deux joueurs. Ça nous a peut-être un petit peu manqué dans cette première partie de match. Paul Koldrick et Yannick Bofis qui sont revenus à la table après cette petite pause bien méritée. Ça va faire du bien à Paul Koldrick, qui en avait bien besoin en tout cas. Ça rigole, le sourire entre les deux joueurs. On sent toujours une bonne ambiance, toujours très fair play. Ah, ce sont des gens qui se connaissent tellement bien après avoir fait maintes et maintes compétitions, que ce soit en tant qu'adversaire, mais également en tant que coéquipier dans le groupe France. Ce sont des habitués maintenant à être dans les équipes de France. On le voyait hein, tout à l'heure pour la finale féminine entre Ophélie Laval et Marion Jude, si vous nous avez suivis avec nous. Je vous invite à la regarder en replay si jamais vous avez l'occasion de le voir. Très bon, dommage. Dommage parce que c'était une belle casse pour Paul, mais il n'empoche pas. Il y avait quelques jeunes là qui étaient vraiment pas loin de tomber. Ouais, les jeunes paraissent beaucoup plus intéressantes hein, sur cette table. On voit beaucoup de rouge encore au centre de la table. Mais comment empocher une jeune pour s'assurer de l'avoir tout au long de la manche? Vous le voyez en bas de votre écran, le timer, 1 minute encore à son compteur pour Yannick Bofis.
pour réfléchir, tourner autour de la table et trouver le bon coup à jouer, le meilleur angle et la meilleure stratégie à adopter pour empocher pourquoi pas une sixième manche, hein, alors qu'on a passé l'heure de jeu à l'instant. Vous voyez le timer d'ailleurs à votre écran. Également une première ici dans ces tournois nationaux. On innove à Villeneuve. Allez, encore 20 secondes pour Yannick Bofis pour négocier cette rouge probablement. Voilà qui est fait. Il part sur les rouges. Il part sur les rouges, alors... peut-être une difficulté supplémentaire avec ces trois rouges en bas de votre écran. Difficile à négocier là avec un angle qui paraît impossible. Mais impossible n'est pas Yannick Bofis. Exactement, il regarde pour le bille sur bille. Hein. Ce coup si affectionné par les joueurs. Ça paraît très délicat. L'angle est très fermé. Et Yannick Bofis qui demande l'extension. Dès son deuxième coup, il a besoin encore de tourner autour de la table, de regarder si c'est faisable. Il s'y dirige en tout cas. Il va le tenter. Oh, c'est parfait. C'est parfait, ça passe. Quelle maîtrise de la part de Yannick Bofis. Toujours aussi clinique. Ah, c'est un joueur vraiment méticuleux. Il prend son temps toujours pour jouer. Et très peu d'erreurs. Hein. C'est là où on voit aussi le grand champion qu'il est. Ce ne sont pas des coups faciles. Hein. On peut l'imaginer quand on voit la table, mais je vous assure, venez jouer au billard et vous comprendrez. Ouais, il rend tout ça facile, Yannick. Avec ses replaces. Toujours très bien dosé. Ses empochages et ses replacements. Et une belle voile pour cette rouge poche centrale. Tout en douceur. Ah, il est en train de nettoyer la première moitié de la table. Il va falloir voir après comment est-ce qu'il va pouvoir se replacer après cet empochage de la bille en bas de l'écran, en bas de votre table, de votre écran. Comment est-ce qu'après il va pouvoir revenir avec un gros effet rétro. Un petit peu long. Ouais, cette blanche qui a peut-être un peu trop roulé parce que il serait arrivé droit pour jouer la rouge en coin. Ça va demander un effet encore une fois exceptionnel de la part de Yannick Bofis. Alors il peut la jouer avec un angle, mais ça implique de mettre de la puissance et donc ça rajoute un peu d'aléatoire au coup. Il peut aussi éventuellement jouer un coup plus défensif et essayer de rendre la vie difficile à Paul Koldrick. Alors ce qu'il va utiliser, 5 secondes à son compteur, il faut qu'il joue. Ouais, superbe. Superbe. Malgré le fait que cette blanche avait un peu trop roulé là. C'est bluffant hein, ce qu'il nous propose. L'angle tout paraissait simplement, impossible. Tout simplement pas d'erreur dans son jeu. C'est ce qui fait la différence. Il ne peut qu'apprécier hein, Paul Koldrick. Tellement c'est très propre ce qu'il nous propose. Encore une rouge. Ah, c'est presque écœurant après la manche qu'il nous a proposé là juste avant Paul de voir tout simplement son adversaire nettoyer la table sans pouvoir jouer. Attention quand même à cette noire là qui est pas non plus qui sera très compliquée à empocher. On le voyait hein, qu'il voulait s'appuyer sur cette bille jaune pour se replacer parfaitement pour la noire. Mais cette deuxième bille, vous voyez,
juste devant la noire pourrait le gêner. Il a l'air de la voir. Ouais, il la voit complètement. Il la voit complètement. Il le savait, Yannick. Et il remporte 6-1. Sa sixième manche là. Il a une manche de la finale. Là, il a 6 manches de finale. Exactement. Voilà. Domination totale. C'est vraiment un niveau stratosphérique là qui est proposé parce que il fait finalement très très peu d'erreurs. Même Paul fait peu d'erreurs, mais ça se joue à des détails. Hein. On le dit souvent dans cette discipline. La moindre erreur se paye cash. Et quand on affronte quelqu'un comme Yannick Beaufils, elle se paye encore plus cher. Il y a peut-être eu une minuscule erreur de la part Yannick Beaufils dans cette demi-finale, mais sinon, c'est du très très haut niveau ce qu'il nous propose. Toujours très appliqué. À lui qui fait son retour à la compétition. Il n'a pas beaucoup joué ces dernières semaines, mais ça va tellement bien dans la tête que derrière, le mouvement suit. En totale confiance. Hein. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou ici, sur la table. Et la casse, justement, d'Yannick Beaufils pour cette huitième manche. Qui pourrait potentiellement être la dernière. On ne s'attendait pas à avoir un match aussi déséquilibré. Mais c'était sans compter sur Yannick Beaufils qui en empoche deux. Peut-être trois, non, il n'y en aura que deux. Il y aura une jaune et une rouge qui seront rentrées. Ah, très belle casse. Magnifique, très dégagée. Les jaunes paraissent plus intéressantes hein, sur cette table. Très espacées, beaucoup plus proches des poches. Et potentiellement une casse ferme pour terminer cette rencontre. Ça serait ouais. Du très solide. Il y a cette difficulté là sur le bas de la table. Avec cette jaune et rouge qui sont très proches. Mais à part ça... A voir comment il pourra négocier tout en haut de votre écran. La jaune presque collée à la rouge. En tout cas Yannick Beaufils a fait son choix. Il prendra les jaunes pour cette manche. Choix plutôt logique. Peut-être ce coup-là hein, qui va lui permettre de se dégager justement. Voilà qui est fait. C'est... Oui, il c'est... a réussi. Il a réussi Yannick à se libérer un peu. Cette jaune. Il essaie de laisser de l'espace en tout cas. Impressionnant. Quelle précision dans ses gestes. Même cette jaune hein, qui venait de rentrer à l'instant était très difficile. Hein. Il y avait quand même une rouge devant. Il a su contourner cette rouge pour empocher ensuite la jaune. Cette jaune en bas à gauche de votre écran qui va tomber dans la poche. Pling. Ouais, c'est toujours extrêmement précis, très complet. On manque de superlatifs là. Ah, c'est difficile hein, d'analyser une telle performance. Tellement elle est presque irréelle, j'ai l'impression de voir un non-match. Mais il ne faut pas enlever hein, tout le mérite qu'a Paul Goldrick d'être arrivé jusqu'en demi-finale. Il a fait un super tournoi, et qui est quand même numéro 6 français. Ouais, il est toujours, il est souvent au rendez-vous. Bon, il ne fait pas la saison qu'il voudrait forcément, avec quelques finales perdues. Yannick Beaufils qui a demandé l'extension sur cette bille. Difficile de savoir comment il va pouvoir se replacer après l'empochage. Les deux autres billes jaunes qui sont de l'autre côté de la table. Il va falloir faire un gros rétro. Encore une fois bien réalisé. Hein. Les billes continuent de tomber. Il y aura un problème également avec la noire, attention, qui est complètement collée à la bande. Il va falloir savoir comment se repositionner. Très difficile. Hein. Ce coup à jouer. Empocher cette jaune.
avec un angle encore une fois très limite. Mais, Mais là, on a l'impression que plus rien ne peut l'arrêter. C'est d'une facilité déconcertante. J'ai l'impression qu'il a l'entraînement, Yannick Bofis. Sans aucune pression. Alors qu'on est quand même en demi-finale, hein, d'un tournoi national. Maîtrise totale. Dernière jaune à empocher avant d'aller rebondir avec la blanche et se placer pour la noire. Attention de ne pas la rentrer quand même. Ça... Ouais, elle a un peu plus voyagé qu'il pensait. Ça va l'obliger à faire soit un tir en bande, soit un longé. Ce qui sont deux coups assez techniques. Ah, ça serait un magnifique coup pour terminer cette rencontre. Et qui nous attend impressionné tout au long du match. Ce qui va pouvoir empocher cette noire. Longé de bande, c'est ouais, parfait. La noire suit parfaitement la bande. C'est bon, c'est fait. Et Yannick Bofis qui s'impose donc dans cette demi-finale face à Paul Koldrick sur le score de 7-1. Un match tout en maîtrise. Vraiment impressionnant là de la part du numéro 1 français qui assoit sa première place au classement général. Ah, il met un sacré coup, hein. Ses adversaires qui étaient quand même venus quelques-uns le voir. Ah, il a clairement montré toute sa puissance dans son jeu. Et il sera évidemment favori, hein, pour cette finale. On peut plus le cacher, même s'il y a des très bons joueurs en demi-finale. Hein, ouais, il y a des très bons joueurs. Peut-être que ce sera un coéquipier de son équipe de Viroflay, Alexis Klinka, ou alors Maxence Prouveau. En tout cas, les deux demi-finalistes font une très très bonne saison. Donc il faudra évidemment être au rendez-vous pour Yannick. Ce sera demain à 13h pour Yannick Bofis. Alors et qu'on a Paul Koldrick qui va être au micro interviewé par Patrice. Voilà. À vous Patrice. Allez, on est avec Paul Koldrick. Demi-finale compliquée, très très compliquée. On s'attendait peut-être et sûrement pas à ça. Non, mais après, bravo à Yannick. J'ai dit j'ai 1000 excuses et j'ai 0 excuses. Donc, bravo à lui. Ouais, je pensais que ça aurait été un peu plus accroché, mais non, bravo. Il y a une idée, très longue journée. Voilà. Le quart de finale a peut-être pris beaucoup d'énergie. Hein. On est allé jusqu'au bout. Pas beaucoup de temps pour arriver à la demi-finale. C'est peut-être ça aussi qui a joué. Ça peut arranger les choses, on va dire. Ouais, non, mais juste une longue journée et manque de compétition de ma part. Mais après, Yannick, il a bien joué. Franchement, j'ai rien à dire. Ouais, c'est vrai que c'est chirurgical, hein, Yannick aussi. Il ne faut pas en laisser une parce que autrement, on est puni directement. Bien sûr, hein, non, mais ça, c'est l'autre niveau. Hein. Maintenant, moi, de bosser un peu plus pour revenir au niveau que j'avais avant. Mais ça dépend que moi, ça. Bon, y a quand même un petit sourire sur le visage de Paul. Merci beaucoup pour ce que vous avez offert pour cette demi-finale. À très vite. Merci, Paul. Merci, Paul Koldrick. Et voilà, déçu, bien sûr, hein, par cette défaite en demi-finale. Une défaite sans appel face à... On l'a entendu avec Loïc et Alexandre. C'est chirurgical du côté de Yannick Bofis. On va l'avoir dans quelques secondes. Le premier qualifié pour la finale, Master, pour ce tournoi national. Le numéro 6, Yannick qui arrive en zone d'interview. Quoi dire de plus? Alors, Loïc et Alexandre, pendant la retransmission, parlent du docteur Bofis, le chirurgien Bofis. Ça roule, ça, c'est vrai, c'est un vieux surnom. Ça roule tout seul hein, depuis ce matin. Depuis quelques temps. Premier tour, c'était difficile. Là, c'est vrai que quand on est bien dans sa tête, le jeu peut être plus ou moins simple avec l'expérience qu'on a. Et de temps en temps aussi, c'est tout le contraire. Dès qu'il y a un petit grain de sable, tout peut devenir très difficile. Donc là, c'était plutôt vraiment encore. Là, c'était vraiment à sens unique. Il a raté un petit peu les fins de ferme, donc ça m'a facilité le jeu sur quelques parties. Et à la fin, j'avais un peu d'avance, donc j'avais confiance et j'ai plutôt pas mal joué pour finir le match. On parle de mental, on parle vraiment d'une vraie sérénité. On te sent vraiment, pour aller jusqu'au bout, ça te donne de la tête, mais on te sent quand même. Là, je reviens de vacances en Thaïlande, c'est un pays que j'ai habité. Ça m'a vraiment ressourcé. Je suis arrivé ici, vraiment, je me sens apaisé, serein. Donc, je me suis dit, j'ai pris les matchs les uns après les autres et.
Voilà, j'ai dû envoyer des bonnes ondes ce week-end et puis non, ça s'est bien passé. Je suis assez content. C'est vrai que là, je suis très très serein au fond de moi. Puis j'ai demandé ma copine en mariage et elle a dit oui. Donc voilà, je me sens plutôt bien. Et puis voilà, ça roule tout seul. Deuxième demi-finale, c'est Klinka contre Pruvot. Une préférence peut-être. Klinka, on connaît bien, Pruvot également. C'est mon coéquipier, donc déjà la préférence elle est forcément pour mon coéquipier. Maxence, c'est quelqu'un que je connais pas très peu, mais il a déjà fait des super belles performances cette année pour une première année en accession. Donc je l'ai encore pas joué, mais il est très dangereux, c'est très offensif. Je prendrai le joueur qui viendra. Voilà, après c'est vrai qu'avec Alex, du coup je crois qu'on joue un peu la première place du classement. Il fait une super saison, il a gagné 2 tournois aussi comme moi. Donc voilà, j'espère que jouer contre Alex, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et avec qui on s'entend voilà, très très bien, et c'est un coéquipier. Donc petite préférence pour jouer Alex, maintenant écoute, on verra bien. Il y a la finale demain bien sûr à 13h, mais est-ce qu'on va quand même pouvoir en profiter un petit peu ce soir, avoir une petite troisième mi-temps tranquille sur Vina? Alors bon, parce que le problème, c'est que si je démarre une troisième mi-temps, c'est plutôt une quatrième mi-temps après qui finit. Non, là, pas du tout. En plus, je suis encore jet lag du voyage. Donc, dans ce sens-là, ça va quand même. J'ai bien récupéré, mais je sais que, comme c'est 5 heures de plus là où j'étais en vacances, je sais que dans 2-3 heures, là, ça va faire très tard pour moi. Donc, non, hier, je me suis couché. À minuit, je me suis endormi très facilement. Donc non, absolument pas. Puis en plus, je vais rester sérieux comme d'habitude. Puis demain, surtout demain matin, on joue en équipe. On joue la première place aussi du championnat, qui est très serré avec Joël et Tours. Donc non, on va rester sérieux. Peut-être un petit resto ou voilà, on va manger entre les collègues d'équipe et puis on va se préparer déjà pour l'équipe demain. Et puis quand ce sera l'heure de jouer la finale, j'essaierai de mettre à fond. Yannick, on va te souhaiter une bonne nuit alors. Hein, et puis à demain 13h, merci. Félicitations encore. Merci beaucoup, à demain. Allez, voilà, pour Yannick Bofis qui a un grand sourire, qui est vraiment serein, ils l'ont dit, hein, Loïc et Alexandre pendant cette retransmission. Mais on sent une sérénité, on est vraiment très très heureux. Premier finaliste pour ce numéro 6, tournoi national. On attend bien sûr bien le résultat de cette deuxième demi-finale, Klinka contre Pruvot. Voilà, il va faire un gros dodo, Yannick Bofis. Il en aura besoin en tout cas demain pour sa finale. Merci beaucoup Loïc pour avoir commenté avec moi cette demi-finale. Merci Alexandre, merci à tous. On se retrouve très bientôt pour du billard Black Ball. Bonne soirée.